Hey, salut à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour moi ça va, bienvenue pour un nouvel épisode sur American Truck Simulator. Donc alors je suis passé donc c'est au garage Peterbilt, donc j'ai modifié le camion, j'ai changé de châssis, j'ai pris un châssis 4 roues motrices et 200 gallons de réservoir. Plus donc j'ai aussi rajouté des petits gyrophares au cas où. J'aurai du matériel hors norme à transporter. Allez, nous on y va. Donc j'ai vu une mission pour traverser tout le Texas. Justement à l'American Truck Haulers. Alors. Donc voilà, ici. De Fort Worth à McAllen. Deux tracteurs de parc. 29 000 livres, donc ça nous fait à peu près 12 tonnes. Je vais regarder. 29 000 litres, 29 000 livres par 0,454, parce que la livre est à 454 grammes. Ah, ça nous fait 13 tonnes. 13 tonnes aidées. Donc voilà, donc 13 tonnes. Allez. Donc on y va. Elle est déjà sélectionnée en GPS. Allons-y. Donc on a du temps, hein, donc je peux faire ma coupure dans 8 heures. C'est pas de problème, il y a plus de 24 heures, il y a 11 heures de route. Enfin 10, à peu près 10 heures Tournez de à route. gauche. Préparez-vous à tourner à gauche. Tournez à gauche. On va se mettre comme c'est juste Vous là. êtes arrivé. Il est temps d'aller travailler. Bon, alors, on va se mettre comme ça. Attention, la remorque à côté. Et bon, ça passe. Ah, c'est pareil. Allez, on y va.
Tournez à gauche. Allez, c'est parti. Tournez à droite. Ok. Préparez-vous à tourner à gauche. Tournez à gauche. On retourne à gauche tout de suite là. Ok. D'accord, et ensuite... Ok, ensuite on va prendre par là. Préparez-vous à tourner à droite. Prendre l'épingle à cheveux. Allez, c'est parti. 600 miles ça fait en 10 heures. Ouais, donc j'ai pas trouvé de moteur plus intéressant, toujours 450 chevaux. Désolé, je peux pas me ravaler, je peux pas me décaler. Si, c'est bon. Tu restes là, toi? Tenez la gauche. Bon, je me remets alors.
Allez, on accélère un peu. Lui Tenez aussi, la il gauche. accélère. Bon, pour l'instant ça roule bien. Bon, je pense qu'à ma coupure je vais faire éviter les autoroutes. On va essayer de régler le GPS. On arrive à Waco. Triste histoire. Un drame qu'on connaît beaucoup aux États-Unis. Des sectes. Bon, on a bien avancé là, 450 miles. Il reste 4 heures avant de faire ma coupure. Allumer les feux. Farmer Lane, pas pour nous.
direction San Antonio, la 35 Sud. Ah, pas mal, c'est entre les deux ponts de chaque côté. Ah, c'est cool. T'as le réseau autoroutier en Amérique est vraiment dingue. Allez, 388 miles ça fait 6h30. Plus notre coupure, bien sûr. Ça va, reste toujours sur la même voie. C'est tranquille. On est sur des rails là. Dès qu'il fait noir, on s'arrêtera. Il faut que je trouve une aire de repos. Bon, il y en a une pas loin. La station service. Allez tout droit. Je peux. Attends. On va passer là. C'est bien ça, les flèches c'est dans le bon sens. On va mettre de l'essence tant qu'on y est. Hein. Ok. Bon, on va se mettre où?
vos calculs. Faites demi-tour. Voilà. Alors on monte le carreau. Frein à main. On éteint les feux. Hop. Et on fait la coupure. Ok. 5h19 du matin. Ça c'est très bien. Alors on va changer. On va se remettre en jouabilité. Recherche d'un nouvel itinéraire. Alors, c'est bon. Donc là, il nous met 15h. Ah, temps restant, mais 15h pour faire le... la livraison. Oh, il reste 6h. On va passer par là. Ah non, je peux pas passer. Ah, il faut que je passe là. Peu importe, je trouverai un nouvel itinéraire. C'est bon, ça gêne pas. Tournez à droite. Tenez la droite, puis tournez à droite. Ah, il reste. Tournez à droite. Bon. On arrive, lui il va tout droit. Allez, c'est reparti. Il va falloir remonter. Sortez à gauche. Sortez à gauche. Et on se remet ici. Tenez la droite, puis sortez à droite. Oh. Sortez à droite. Tenez la droite, puis tenez la gauche. Thank you.
compliqué, là, ce qu'il nous fait faire. Tenez la gauche, puis continuez tout droit. Allez tout droit. Tenez la gauche, puis sortez à gauche. Sortez à gauche. Ah, il recommence, il m'a refait le même tour là, de me faire sortir pour me refaire rentrer. Ah. Tout ça pour rien, quoi. Tenez la droite, puis sortez à droite. Et là, par contre, là, il me fait sortir. Sortez à droite. Restez là. Tenez la gauche. Direction Corpus Christi. Et là, j'ai marqué éviter les autoroutes et il commence à me refaire passer, mais à me refaire sortir pour me refaire rentrer. Comme là, par exemple. Ah, bah là, je vais pas me faire avoir. Il y a vraiment un problème entre, pour, avec l'option éviter les autoroutes. Hein. Là, il me refait exactement le même tour. Recalcule. Je me ferai pas avoir cette fois-ci. En fait, dès qu'il détecte une sortie d'autoroute, il nous la fait prendre. Après, il se rend compte qu'il n'y a pas d'autre route pour aller, donc il nous remet. Ça doit être ça. Tenez la droite, puis sortez à droite. Là, pareil. Attends, ce qu'on va faire. C'est ça le problème. Il voit qu'il y a une sortie d'autoroute, il nous la fait prendre, mais il voit qu'après, on peut pas. Et on ne peut pas emprunter d'autre route, donc il nous remet sur l'autoroute. Calcul d'un nouvel itinéraire en cours. Ouais, le plus rapide, c'est pour optimiser qui est le meilleur des deux. Bon, on va prendre le plus rapide. Hein. Et là, vous voyez bien, là, il nous remet tout droit. Ah, c'est dommage ça, qu'éviter les autoroutes, ça fonctionne pas.
Ah, peut-être nous faire arrêter à la station de pesage. Ouais. Ah non, vous pouvez contourner. Ah, très bien. On va contourner. Allez, 230 miles à faire. Un peu moins de 4 heures. Voilà, ça ralentit là. Ouais, le motard. Le motard qui va faire chier son monde. Il faut que je me relance. Et je suis pas en moto, mon gars. Hein. J'ai un 40 tonnes. Accélère un peu. Une moto qui n'avance pas, des chicanes mobiles. En plus, on les voit pas dans le rétro, quoi. Et 190 miles, 3h15. Bronzeville. Ah, Corpus Christi découverte. 14 sur 30. Tournez à droite. Tenez la gauche. Reste là. Il y a du monde. Ah, retourne en ville. Riviera. Ok.
Samedi 11h46. On va même avoir de l'avance. C'est bien ça, en train d'entre 13h40. Et là, nous disent à 11h46, on sera arrivé. Encore contourner, donc ça c'est bien. Allez, c'est reparti. Allez, 130 miles. Bon, on va réduire notre vitesse un peu, comme ça permettra, on roulera en dessous des limitations. Bien en dessous, ça nous fera arriver un peu plus tard. On aura moins à attendre. Ah, c'est ça, les fameuses barrières. Barrière de sécurité mobile. Ce que j'avais transporté une fois. Un train ici avec plus de wagons. Ouais, on en avance, donc on va prendre notre temps.
Allez, 70 miles, 1h13. Ça nous ferait. Ah non, ça nous fait arriver à midi 8. Tenez la droite, puis sortez à droite. On attendra devant la boîte. Pas Sortez de à droite. problème. On attendra. Ouais, on devra attendre 1h30. Hein. Une heure et demie pour rien. Donc là, on prend le numéro 2, ouest. McHallen. Ah, j'ai une petite mouche qui emmerde le monde là. Depuis tout à l'heure, ça. Elle rôde autour là, ça veut dire. Tenez la gauche. Allez, dépêche-toi mon gars. On voit le point d'arrivée. Personne par là. Putain, il y en a une qui arrive, justement. Tenez la droite, puis sortez à droite. Il est où ce con? Sortez à droite. Tenez la gauche, puis tournez à gauche. Tournez à gauche. Ok, bon. Il m'a fait peur, je les voyais plus la voiture blanche dans le rétro là. Bien, un petit feu pour faire encore perdre un peu de temps, ça c'est très bien. Il me reste 5 miles, ça fait 14 minutes. Allez, on y va, tranquillou.
Allez, quand même, c'est très bien. Oh, mais non! Putain, je suis pas si avancé que ça. Oh! J'ai juste avancé un petit peu, mais oh! Fais chier. Se mettre à droite, à gauche, tranquillou. Allez tout droit. Ah, c'est pas vrai. Je suis pas, putain, je suis pas avancé à ce point-là quand même. Bon, tant pis, hein. Voilà, je fous le bordel parce qu'ils ont pas pu avancer. Tenez la gauche, puis tournez à gauche. Tournez à gauche. Et avancer, oh là là. Ils ont trop peur. Préparez-vous à tourner à droite. Personne par Tournez là. à droite. Ah bah, de toute façon, on est barré la route. Préparez-vous à tourner à droite. Bon, on va attendre ici, hein. Tournez à droite. On va attendre un petit peu ici. Voilà. Hop, attendons. Donc on a 13h40. On a pour une petite heure à attendre. Et à vous, 37 000 dollars quand même, hein. One hour later. Bon, on est de retour. Ça y est, on a attendu pour être à peu près à l'heure pour la livraison. On a attendu notre heure. Donc là, on est bon. Allez. Je me suis mis sur le côté parce que le problème, c'est que je gênais la circulation. J'étais sur la voie de circulation, c'est pour ça que je me suis mis sur le côté. Préparez-vous à tourner à droite. Tournez à droite. Recherche d'un nouvel itinéraire. Tournez à gauche. Qu'est-ce qu'il raconte, tourner à gauche?
C'est où? Là-bas. C'est terminé. Entre deux remorques, super. Puis je peux pas me mettre dans le bon sens. Alors, puis on y va que dalle. Dans ce sens-là, je vois que dalle. Ok, c'est bon. Allez, on détèle. Excellent. Donc distance, grande valeur. 37 000 dollars. Mais on passe niveau 8. Très bien. Du coup, on va pouvoir prendre. Allez, on va faire ça. Du gaz. Gaz. Gaz non inflammable et gaz toxique. On va se diversifier un peu. Bon, bah, c'est cool. Bon bah du coup on va cesser à tuer les amis, j'espère que ça vous a plu, likez, partagez, commentez, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas petite cloche pour le référencement de la chaîne et pour rater une vidéo, et on se donne rendez-vous donc la fois prochaine pour continuer les livraisons, et d'ici là, portez-vous bien, bisous bien, prenez soin de vous, de vos proches, allez, ciao ciao.